ont fait du bon travail au round précédent. On les applaudit bien fort. Le round suivant a beaucoup de succès cette année. Ceux qui connaissent le cimetière de Lichfield savent de quoi je parle. Ce sont les morts vivants. 3, 2, 1, parti! Oh,
J'espère que ça valait 2000 pièces d'or. Je crois que oui. Ils ont gagné 3600 pièces d'or. Mais... Allez. La compétition se corse, mesdames et messieurs. Trois héros sont déjà morts. Il est grand temps de stimuler un peu plus les survivants. C'est le cinquième round. Ils ont évité le bourreau, mais pas la reine. C'est le gang des bandits de la main noire. Ah!
2600 pièces d'empochés. Comme si ça ne suffisait pas, il y en a encore 4000 à gagner dans le prochain round. Nos intrépides héros ont facilement vaincu Gep, Bandy, Hobbs, Wolverine et même Mort-Vivant.
Les choses se compliquent pour nos concurrents. La fatigue commence à se faire sentir et ça se voit. De gravats? Non, ce sont Stannard et Groy, les creux de pierre. 3, 2, 1, Thank you.
18 600 pièces dans le sac et il reste un round. Est-ce que ça vaut le coup de risquer la mort pour 10 000 de plus? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, vous avez pu voir la crème des combattants de l'arène. Veuillez acclamer nos héros victorieux. Mais voici le 8e round, le dernier combat contre... Thank you.
attention. Ma parole, la banque de la reine est en faillite. Ce qui nous amène à la coquette somme de 28 600 pièces d'or. Incroyable, nous avons deux vainqueurs. Que va-t-il se passer ?
le héros et un seul prix. Nous avons un invité d'honneur aujourd'hui. Je suis de retour. Après une éternité loin de vous, Jack of Blaze, revenez. Cette arène représente toute la grandeur d'Albion et vous représentez sa richesse. Je suis honoré d'être à nouveau parmi vous et j'ai une proposition pour marquer l'événement. Un round final, un combat à mort. Entre les deux derniers héros, le gagnant recevra un prix spécial. Et le perdant aura l'honneur de mourir devant vous. Mais pas de quoi, là ? Ils n'ont pas le droit ! Je vais me donner un coup. Mais je ne vais pas te tuer. Je ne le pourrai pas. On est venu leur donner un bon spectacle. Et c'est ce qu'on va faire. Allez. Ma chère Lady, ce n'était qu'un coup de chance. Cet homme n'est qu'un... Ah, vous voici. Le héros dont tout le monde parle. Je suis très impressionnée.
Et il m'en faut beaucoup. J'en oublie d'être polie. Je suis Lady Grey, mère de Bowerstone. Je constate que vous êtes un homme de valeur. Passez donc me voir dans mon manoir de Bowerstone Nord. Mais ma lady, si seulement vous... Tonnerre, je suis fatiguée de votre ardeur et de votre jalousie. Votre gloire passée n'est plus qu'un lointain souvenir. Acceptez-le. Comme je vous le disais, héros, j'espère que vous accepterez mon invitation. Nous avons beaucoup à nous dire. Ce n'est pas fini. Le sang neuf coule aussi bien que les autres. Vous vous en rendrez vite compte. C'était incroyable! Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une chose pareille. Je vais vous faire passer par le hall des héros. Vous méritez une place parmi eux. Je dois dire que vous me rappelez quelqu'un qui s'est battu ici il y a des années. Ma mémoire n'est plus très bonne, mais je crois qu'elle s'appelait... Scarlet Robe, c'est ça, vous la connaissez? C'est peu probable, c'était bien avant votre époque. Mais sur votre droite, vous pouvez voir sa statue. C'était la première héroïne à devenir championne de l'arène. C'était une héroïne, aussi compatissante que toi. Mais son dévouement lui a coûté cher. Elle n'était plus la même après son dernier combat. Elle vit seule, écrasée par le remords de n'avoir pu sauver sa famille il y a longtemps. Et te voilà. Je savais que son fils viendrait un jour. C'est dans ton sang et dans celui de ta sœur. Tu devrais me l'amener. J'aimerais tant vous réunir, tous les trois. Pense à la joie que ça lui apporterait. Tel était le vrai visage de sa mère, Scarlet Robe, tueuse de Balverine. Autrefois l'une des plus féroces héroïnes d'Albion. Pourtant, son combat le plus terrible fut aussi son dernier. Cernée par une douzaine de Balverines, Scarlet vainquit ses ennemis, mais finit par tomber blessée et épuisée au milieu de leur corps. C'est ainsi qu'elle serait morte si Brom, un simple et aimable homme des bois, ne l'avait pas sauvée de justesse. Plus tard, ils se marièrent et eurent deux enfants, une fille, puis un garçon. Les jours sombres de Scarlet étaient loin derrière elle. Quoi que tu décides, tu mérites le sceau des champions. On te reconnaîtra partout comme le champion de l'arène. Et cela t'accordera le droit d'accéder à Bowerstone Nord. Ne le perds pas. Il est très précieux. Hé, vous ! Thérésa vous fixe rendez-vous à la demeure Grey.